Cette proposition de loi est une session de rattrapage démocratique. Elle donne l'occasion à la représentation nationale de voter, comme le demande l'ensemble des organisations syndicales, comme le demande l'écrasante majorité des Français, de voter l'abrogation de cette réforme des retraites, à la fois injuste et injustifiée. Mais, parce que malheureusement il y a un très gros mais, la Macronie fait tout pour empêcher ce vote. La Macronie aime la démocratie seulement quand elle va dans son sens, ce qui veut dire que finalement elle n'aime pas la démocratie. Et d'ailleurs, je suis effaré de voir comment la minorité présidentielle des parlementaires sacrifie leurs propres droits, notamment l'initiative parlementaire. Vous vous comportez comme une bande au service de votre chef, Emmanuel Macron, plutôt que d'assumer votre mandat, qui est celui de la représentation du peuple, et de défendre les droits qui sont ceux des parlementaires. Malheureusement, nous avons l'illustration d'une chose, c'est que le projet néolibéral que vous défendez, il est non seulement antisocial, mais il est aussi antidémocratique. Très bien, la parole est à Daniel Simon.